Salut à toi, Yaham. Peux-tu me dire où trouver l'érudit Ahmad ibn Moussa? Ah oui, le plus aventureux des Banu Moussa. Son atelier est juste derrière moi. Merci, Yaham. Bassim, neuf doigts, par ici. Nihal, qu'est-ce que tu tiens là, chapardeuse? Un livre. J'ai réussi à en sauver au moins un des flamands. Si on te surprend à voler? On me coupera un doigt? Non, attends. Toute une main, c'est ça? Ça n'a rien de drôle. Eh bien, ne ris pas. D'accord. Tu fais ta maligne et moi, je suis occupé. Rien qui te concerne. Oh, des affaires secrètes de ceux qu'on ne voit pas. De quoi s'agit-il cette fois? Un meurtre? Un vol? Un meurtre suivi d'un vol? Ça, c'est ta spécialité, Nihal. Tu as peut-être perdu un doigt, mais tu as toujours autant de tact. Tous ces outils et ces livres, cela ressemble bien à Ahmad. Mais lui, où est-il? Ahmad avait l'air de travailler à quelque chose de nouveau. Mais quoi? Selon la lettre, ces livres sont destinés à Ahmad. Un autre livre de poésie d'Arim. Voilà qui plaît. Instruments de mesure comme ceux qu'employait mon père. Mais ce sont ceux d'Ahmad. Ahmad signe toujours ses travaux. C'est clairement son œuvre. Des schémas, des outils et d'autres étrangetés. C'est manifestement l'atelier d'Ahmad. Mais où peut-il être? Pardon? Je suis à la recherche d'Ahmad ibn Moussa. Tu sais où je peux le trouver? Je peux peut-être t'aider. Suis-moi. Est-ce ta première visite à la maison de la sagesse? Non. J'y venais en secret avec une amie quand nous étions enfants. Nous avons appris à lire seuls dans la bibliothèque. Si seulement tous les jeunes gens faisaient autant. Ah ça, les gardiens qui nous chassaient tous les jours n'étaient pas de cette avis. Ils ne faisaient que leur travail. Et qu'avez-vous appris à la maison de la sagesse? J'aimais la poésie et les récits d'héroïsme. Mon ami, je préférais les dieux païens et la magie noire. Intéressant. Et as-tu persévéré dans cette passion de jeunesse pour devenir un érudit? Alors que le monde entier me tendait les bras? Non, je suis plutôt devenu un homme d'action. Ah, fort bien. Et qu'en est-il de ton amie? Elle? Non, elle est toujours en quête de quelque chose. Mais j'avoue ignorer ce que c'est. Quel dommage. Ce n'est plus très loin. Allez, hâtons-nous. Garde, à moi! Alors, on m'attaque dessus! Mensonge! C'est tout mon temps! Oui! Ne te laisse pas emporter! J'ai mutilé mes ennemis! Quelle originalité! Ah! Encore? Vas-y! Restez pour moi!
Lamentable. Je t'en prie, ne me fais pas de mal. Tu m'as attiré dans un piège. Je devrais te tuer sur place. Épargne le doux Hamid. Alors parle. Où est Ahmad ibn Moussa? Aie pitié. Je ne sais pas où il est. Je te le jure. Je ne sais pas. Dans ce cas, pourquoi m'avoir attiré dans une embuscade? Il m'y a contraint. Qui ça, il? Sûrement pas Ahmad. Je ne connais pas son nom, car il porte toujours un masque. Et qu'est-ce qu'il veut, cet homme masqué? Il m'a ordonné de tenir tout le monde à l'écart, loin du lieu de fouille de la Maison de la Sagesse. Sinon... Sinon quoi exactement? Il me fera mal à la tête, comme aux autres. Pitié, épargne le pauvre Hamid. Où est ce site de fouille? En pleine nature, en dehors de la ville. Tiens! Je vais te dessiner une carte. Cette carte devrait me conduire au site de fouille.